été donné pour libérer les hommes de la colère de Dieu. Il s'est encore manifesté aujourd'hui en sauvant les hommes du péché et de la malédiction divine. 48 personnes ont vu le salut de Dieu dans leur vie à l'occasion de la rencontre de salut et de guérison organisée par les dirigeants de la zone spirituelle de la Riviera. Ce dimanche 3 avril 2022, les âmes ont répondu massivement à l'appel du Seigneur sous l'invitation du pasteur Désiré Douassaï, ancien de l'église d'Abidjan et dirigeant des zones spirituelles de Cocody et de la Riviera. On enregistre plusieurs miracles de guérison, de restauration et de délivrance à travers la prière de combat et l'exercice de l'autorité spirituelle. Selon qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dis au nom de Jésus, nous jugeons vos œuvres dans quatre corps. Dans la vie de chaque personne que vous avez tenue en captivité jusqu'à ce jour. Dis au nom de Jésus, nous détruisons vos œuvres, nous mettons fin à votre oppression, toutes vos oppressions, toutes vos oppressions. Nous sanctifions la vie de toute trace de votre passage. Dieu ayant accompli sa part de responsabilité, les hommes aussi ont accompli la leur en venant rendre gloire à Dieu pour leur miracle. Et nombreux ont été guéris de leur maladie. Je dis merci à Dieu qui a opéré un miracle tout à l'heure pour moi. Tout à l'heure, pendant que le pasteur Douassaï disait, il priait pour le mot de Dieu, j'ai senti une présence à côté de moi. Et d'un coup, j'ai vu qu'ils ont levé une voile sur moi. Et puis une voix m'assurait comme cela que tu as été délivré des mots de Dieu. Je lui rends toute la belle en le nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis merci au Seigneur qui a guéri mon poignet droit. Depuis plusieurs jours, j'avais mal au poignet. Et quand je m'assois à terre, je ne pouvais pas m'appuyer pour me lever. Je disais toujours avec la main gauche. Et pendant que le pasteur a prié pour les maladies, on s'assoit, on s'élève. Je me rends compte que je peux m'appuyer sur mon poignet droit pour me lever. Je n'ai plus mal. Donc je veux dire merci au Seigneur pour cela. C'est une maladie en peine pour lui admettre une couche pour la durée. Donc, ce qui a fait que les adultes sont couchés, les hanches, les genoux. Donc, c'est que pour marcher, c'est très difficile. Les douleurs, que les os sont couchés carrément. Donc, la médecine a clarifié que pour qu'il puisse marcher, il faudrait qu'il puisse opérer. Donc, l'opération va dans 12 minutes. Donc, depuis que mon voix a prié, on a prié, on fait la délivrance. Maman m'a dit de venir à la prière, on est venu. Mais je n'ai jamais, depuis la prière, depuis qu'on prie, en tout cas aujourd'hui, là, Dieu m'a donné la force d'épouser les membres pour pouvoir marcher parce que je n'ai jamais fait ce genre de pas. Sans les petits. Acclamation au Seigneur. Je m'ai prié pendant longtemps, je m'ai prié pendant 5 minutes, avec des poches qui ne tiennent pas et des genoux. Mais Dieu m'a fait la grâce, d'avoir la force à mes membres, donc je me suis blessé. Tout en obéissant immédiatement à la volonté de Dieu qui est d'annoncer l'évangile, de tels événements viennent booster la croissance des effectifs dans nos églises. C'est une rencontre de salut et de guérison que nous venons d'avoir ce jour. Aujourd'hui, hier c'est la prière, aujourd'hui c'est la rencontre de manière proprement dite. Nous avons eu 48 personnes. C'est la joie. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur. Mais si il y a 48 personnes, donc 48 fois cette joie-là. Donc, je crois que la rencontre est un succès. Dieu nous a bénis et nous rendons grâce au Seigneur. Depuis le début de l'année, c'est maintenant que c'est aujourd'hui que nous avons eu cette adoration évangélique. Et nous avons vu la mobilisation de tous les frères. En tout cas, toutes les bâches ont été occupées. Les frères étaient vraiment en grand nombre, ont pu assister, ils ont pu participer. Et nous saluons vraiment la mobilisation de tous les dirigeants, tous les frères, parce que nous avons tous vu comment Dieu à préserver le sous-centre après le départ, bien sûr, de notre ancien Eli Gogi. Et quand nous voyons toute cette mobilisation, nous voulons dire que c'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui a préservé les frères dans notre œuvre au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale à la Riviera 2.